Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, dernier chapitre du guide pour bien débuter sur Pokémon Masters, où nous allons parler des différents modes de jeu disponibles sur Pokémon Masters. Alors, dans cette vidéo, on va faire le point sur tous les modes de jeu disponibles. Je vais les rappeler rapidement, expliquer rapidement en quoi ça consiste. Et pour tous les modes de jeu que je vais vous présenter, il y aura sur mon Discord un salon dédié à chaque mode de jeu où vous pourrez poser des questions si vous avez des difficultés dans ce mode. Du coup, on va commencer directement. Cette vidéo sera plus courte que les autres, mais vous en faites pas, il y aura tout de même des choses à dire. Donc du coup, le premier mode de jeu dont on va parler, c'est bien évidemment le salon des dresseurs. J'ai pas besoin de vraiment reparler longtemps car on en avait déjà parlé dans la première vidéo de ce guide, hein. Vous allez dans ce mode de jeu pour récupérer énormément de ressources dans l'exploration. Vous pouvez parler à des dresseurs pour obtenir des ressources, obtenir des nouveaux duos qui peuvent vous être très utile, et puis sinon c'est à peu près tout. Dans tous les cas, vous le savez, dans la description de la vidéo vous aurez le guide pour le salon des dresseurs qui date de sa sortie, mais en soi j'ai déjà tout expliqué dans la première vidéo de ce guide, étant donné que le salon des dresseurs est accessible dès la création du compte. Donc en soi il n'y a pas grand chose à dire là dessus donc voilà, je passe très rapidement sur le salon des dresseurs. Maintenant on va parler d'un autre mode de jeu qui est très 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 ancien. On va aller parler d'un mode de jeu que vous devrez faire au moins une fois, ou alors plus, hein, si vous le souhaitez. On va aller dans Zone Annexe et on va parler de la villa de combat. La villa de combat qui était le gros mode de jeu à l'époque, hein, aux 6 mois du jeu. Et en gros, ça consistait tout simplement à faire des équipes et de grimper jusqu'à l'échelon 30 en utilisant un minimum de compétences dresseurs, d'objets. Car entre chaque combat, si vous n'utilisiez pas d'objets, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer de PPC sur vos compétences. Mais bon, depuis le temps, bah, y a eu de meilleurs duos qui sont sortis. Des duos qui n'avaient pas besoin spécialement d'objets pour récupérer des utilisations de leurs compétences dresseurs. Pareil, il y avait des duos qui pouvaient se setup en arrivant au combat sans utiliser de compétences dresseurs. Donc la villa de combat, c'était devenu un mode de jeu très facile. Bon, ça l'était déjà à partir d'un moment qu'on avait compris le fonctionnement, mais c'était surtout fastidieux parce que ça demandait du temps à faire. Et aujourd'hui, bon bah ça sert à avoir des diamants une première fois, des biscuits talents surprise. On peut la farmer, mais aujourd'hui on a la zone d'entraînement pour les talents surprise. Donc en soi, vous la faites une fois avec quelques missions. On a des petites missions de la villa de combat juste ici, où voilà, vous devez tout faire. Vous avez des emblèmes. Alors il me semble qu'il y a une mission que je n'ai pas fait. Alors il y a un titre qui demande de faire les 30 étages de la villa. Le truc c'est que bah, depuis que les titres sont arrivés, j'avais pas refait la villa. Faudra que je me motive un jour à la faire. Mais voilà, au moins ça va vous rapporter des diamants. J'aurais plus le montant exact parce que ça fait super longtemps, mais on va dire allez, un petit peu plus de 2000 diamants pour... pour pas dire de bêtises. Et puis voilà, vous le faites une fois. Et au pire, même si vous utilisez 9 duos, enfin vous voyez, vous avez le droit à 9 duos par jour, bah, même si sur ces 9 duos, eh bien ils sont tous KO ou alors vous n'avez plus de PPC, vous attendez une journée et vous avez le droit à la restauration totale et la villa de combat. Même si vous débutez, ça peut se faire très rapidement en quelques jours. Donc après la villa de combat, bon il y a les épisodes duo mais ça c'est assez anecdotique. Ensuite nous avons autre chose, nous avons, on va pas parler des modes de jeu hebdomadaires mais on va parler d'autre chose. On va parler d'un mode de jeu qui arrive 2 fois par semaine maintenant. Bon bien évidemment il y a le combat régional quotidien tous les jours, mais on a aussi les défis dégâts. Alors le défi dégâts, j'en avais pas spécialement fait de vidéo quand c'est sorti parce qu'en fait c'est très répétitif. En gros vous devez faire un maximum de dégâts sur une faiblesse dédiée sur un combat avec un seul adversaire ou avec 3 adversaires et ces combats. Alors on peut faire des scores avec des duos free to play même si ça peut parfois ne pas être incroyable, mais on peut quand même scorer pas mal si on a les bons duos. Et pour ce mode de jeu, la clé pour réussir c'est tout simplement de spammer des capacités qui ont très peu d'animation, comme par exemple dans le chapitre précédent je vous ai présenté Clitty-Click qui pouvait spammer Cage Éclair pour ce mode de jeu et arriver très rapidement aux prochaines capacités duo. Pareil, Raideron Flex avec son Rolex accélérateur, c'est très intéressant pour ce mode de jeu. Bref, ce mode de jeu est quand même sympa. Vous avez 2 fois par semaine un nouveau combat. Et en faisant ce mode de jeu, vous allez obtenir des coupons qui vont vous permettre d'acheter des duos 5 étoiles ayant le rôle régisseur ou accélérateur.
Donc voilà, alors personnellement là je peux en prendre un, mais j'attends d'avoir assez pour en prendre un directement en 3/5, car le kit de base de ces duos est quand même sympa, mais c'est mieux d'avoir le 3/5. Si vous voulez savoir quel est le plus intéressant, je vous renvoie vers la vidéo analyse complète de ces duos que j'avais réalisé il y a un petit mois, ou alors les vidéos cheerlist. Mais en soi c'est des bons duos qui vont vous servir pour un autre mode de jeu, à savoir le rallye de combat. Alors je passe pas plus longtemps sur le défi des gars, au pire si vous avez des questions concernant ce mode de jeu, sur mon Discord, il y a le salon Défi des gars et vous pouvez y poser des questions et on viendra vous aider. Et pareil, il y a aussi une vidéo sur la chaîne où il y a le Défi des gars classé où on a 3 combats pour faire un maximum de score. J'avais réalisé une vidéo là-dessus si ça vous intéresse et pour comprendre un petit peu le fonctionnement du mode de jeu. Ensuite, nous avons le rallye de combat parce que étant donné qu'on parle des duos accélérateurs régisseurs, eh bien on va aussi parler du rallye de combat. Alors, je peux pas vraiment vous montrer en tant que tel parce que j'ai plus de passe, mais en gros toutes les semaines quand vous vous connectez vous avez un passe de rallye de combat et vous allez pouvoir enchaîner 10 combats où chaque combat aura un bonus par rapport à un rôle. Imaginons si j'ai un combat où j'ai le combo attaquant soutien. Si je mets dans ma composition des duos qui ont le rôle attaquant soutien, eh bien je vais gagner plus de points. Et dans ce mode de jeu, les rôles EX sont très importants, car reprenons mon exemple du combo attaquant soutien. Si je mets dans mon équipe des duos qui ont le combo rôle de base et rôle EX attaquant soutien ou inversement, eh bien ils vont rapporter 1x2 sur les points. Et en fait on a 3 niveaux de difficulté sur chaque combat: normal, difficile, très difficile. Et le but c'est de faire les 10 étages en utilisant le minimum de points et en faisant bien sûr le maximum de score avec les multiplicateurs. Alors dans ce mode de jeu on a une boutique pour acheter des items qui vont nous permettre de nous faciliter les combats, mais étant donné que le but du jeu c'est d'avoir un maximum de points, on va essayer de passer le moins de temps possible dans la boutique. Pour ce mode de jeu, si vous voulez des explications plus en détail, j'avais réalisé un guide le jour de sa sortie qui est toujours d'actualité. Et si vous voulez voir en gameplay le rallye de combat, eh bien de temps en temps sur la chaîne je mets la rediffusion de certains streams rallye de combat que je fais sur Twitch. Donc au moins vous pouvez voir un petit peu la tronche du mode de jeu. Et avec ce mode de jeu, vous avez une boutique qui va vous permettre d'échanger vos points contre des coupons médailles roulés rolls qui vont vous permettre d'avoir des roulés rolls pour ensuite mettre des rolls EX à vos duos préférés. Et donc forcément, le mode de jeu est cyclique. Plus vous faites le rallye de combat, plus vous faites de score, plus vous allez obtenir de points, plus vous allez pouvoir faire de rolls EX. Et plus vous avez de rolls EX, plus vous allez pouvoir avoir de points en rallye de combat. Et forcément, ça va vous permettre de vous faciliter pas mal le jeu. Donc le rallye de combat, c'est quand même un mode sympathique. Après bien sûr c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais au pire même si vous avez une petite box, eh bien vous avez la difficulté normale sur les combats, vous allez juste gagner moins de points. Et puis pareil si vous galérez sur les combats de fin, eh bien vous avez un item spécial à l'étage 10 qui va vous faciliter le combat. On a un autre mode de jeu hebdomadaire, à savoir le combat de maître, où on va affronter les différentes ligues. Alors pour ce mode de jeu, quand vous commencez une région dans ce mode de jeu, imaginons là le combat d'Alola, eh bien il va falloir utiliser les 18 type du jeu pour obtenir un emblème ici dans le Panthéon. Donc ça va vous demander quand même 2 semaines, car on peut utiliser maximum 15 duos vu que ce sont 5 combats où on peut utiliser maximum 3 duos. Une fois que vous avez obtenu l'emblème, vous obtenez le mode élite qui va vous permettre d'avoir des points en fonction de malus que vous allez donner à votre équipe ou aux adversaires. Et en fait, à chaque point que vous allez obtenir, vous allez justement gagner des récompenses pour passer des duos 6 étoiles X, obtenir des médailles bonbons. Bon, et aussi, bon, voilà, des coupons pour mettre à des duos 5 étoiles, des flammes de maître pour les passer 6 étoiles X, des points pour le pass de combat aussi, des sphères pour les talents d'équipe et aussi des sphères duo coop pour les plateaux. Et puis voilà. Alors concernant ce mode de jeu, je vais pas en parler plus que ça dans cette vidéo, car il y a quelques temps, il y a peut-être bien un an, j'avais réalisé une vidéo faire le combat de maître en 12 500 points. La vidéo était quand même assez complète. Le problème c'est que même pas 2 mois après que cette vidéo soit sortie, eh bien le combat de maître est passé en points maximum à 15 000 points. Et le truc c'est que en soi pour les 15 000 points vous prenez les malus que j'ai cités en 12 500 points et vous en rajoutez un petit peu au niveau de la force ou autre, et puis comme ça vous faites les 15 000 points. Alors quand vous commencez vous n'avez pas forcément tout ce qu'il faut pour faire les 15 000 points, c'est pas grave, ça va aller en s'améliorant au fur et à mesure que vous montez votre box, que vous avez de meilleurs duos. Moi personnellement je préfère partir sur des malus très offensifs ici, donc en gros je commence à 50% de mes points de vie, les adversaires tapent fort, mais derrière
derrière, je leur fais énormément de dégâts. Donc en soi, je vais être franc, hein, mon combat de maître, je mets généralement moins d'une minute, une minute trente entre chaque combat. Et pareil, on a aussi des malus qui rapportent beaucoup de points. Comme là, par exemple, je gagne 300 points si je tape sur la faiblesse de l'adversaire. Bon, le combat de maître, c'est un mode de jeu dédié à taper sur la faiblesse de l'adversaire. Et puis si vous cherchez à ne pas taper sur la faiblesse, bah forcément, vous allez devoir mettre plus de malus pour compenser la perte de points. Mais dans tous les cas, une vidéo est disponible sur la chaîne pour vous guider. Et au pire, si vous galérez vraiment sur le combat de maître, eh bien, nous avons sur le Discord un salon aide combat de maître, aide champion stadium. Voilà, c'est le terme anglais. Et si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, ne vous en faites pas. Vous allez sur ce salon et on pourra vous aider à faire le maximum de points avec ce que votre box vous permet. Sachant que les 15 000 points sont possibles avec des duos free-to-play, accessibles. Et ça demande quand même d'investir un petit peu dessus. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'aide, le Discord est là pour ça. Ensuite, on va parler de l'autre mode de jeu de Masters. On va parler des batailles légendaires et aussi par extension l'aventure légendaire. En gros, les batailles légendaires, c'est un total de 14 combats sur le jeu où vous allez affronter un boss. Chaque boss a ses spécificités et la tactique à adopter pour pouvoir le vaincre. Et en gros, pour chaque bataille légendaire, vous avez des missions de mémoire où vous devez réussir en utilisant le moins de duos possible. Voilà, après, vous avez 3 niveaux de difficulté. Vous avez normal, difficile et très difficile. Bon, forcément, on va chercher à faire le très difficile et il faut utiliser le minimum de duos possible. Bon, vous voyez qu'on a un maximum de 30 duos à utiliser, mais en vrai, il y a des batailles légendaires où il y a beaucoup de duos qui peuvent les solo, les faire tout seul. Et au pire, bah, maintenant, vous utilisez 3 duos dans une bataille légendaire et c'est bon, vous avez réussi. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les batailles légendaires. En gros, voilà, chacune a ses spécificités, chacune a ses mécaniques. Et il faut s'adapter. Et ensuite, on va parler d'autre chose parce qu'on a aussi l'aventure légendaire. Alors, l'aventure légendaire, c'est un mode de jeu. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer. Il n'y en a pas encore une de disponible. Mais en gros, c'est un mode de jeu où vous allez avoir 3 batailles légendaires parmi ce pool qui vont être sélectionnées. Et en gros, le but, c'est de les enchaîner pour avoir un maximum de victoires possibles. Alors, concernant les récompenses, il vous suffit juste de faire les 10 premières victoires. Et comme ça, vous avez les récompenses les plus intéressantes. Donc, en gros, vous utilisez 30 duos, 3 ou 4 combats de chaque boss. Et comme ça, vous utilisez une trentaine de duos et vous avez un maximum de récompenses. Mais bien évidemment, on peut aller au-delà au niveau des victoires. Et comme ça, vous avez des récompenses comme des biscuits talents surprise spéciaux, très intéressants pour avoir certains talents surprise. On a des coupons duo tickets 5 étoiles pour passer plus de duos en 20 sur 20, voire même 6 étoiles X si on le souhaite. Bref, l'aventure légendaire, c'est un mode de jeu où si on fait les 10 victoires, on a les récompenses les plus intéressantes. Et par contre, si on décide de scorer 50, 100, 150 victoires, voire même plus, et bien là, on a un stock de ressources très, très, très important. Et le mode de jeu est surtout utile pour farmer les biscuits talents surprise spéciaux qui sont quand même assez rares. On ne peut pas en obtenir dans d'autres modes de jeu. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. On a les ressources qu'il faut sur le Discord. Et aussi dans ce salon, vous avez en message épinglé des Google Docs qui répertorient les différentes informations à savoir sur les différents boss, les différentes compositions qui les passent, les différents solos qui sont possibles. Alors majoritairement c'est de l'anglais, mais en soi c'est très facile à comprendre et si vous avez du mal on peut vous expliquer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, les batailles légendaires c'est un mode de jeu endgame qui en soi individuellement bon c'est sympa, mais quand on arrive à l'aventure légendaire où on doit enchaîner un maximum de victoires en utilisant le moins de duos possible pour ensuite enchaîner un maximum de victoires, car forcément quand vous avez utilisé un duo, et c'est vrai je ne l'ai pas précisé pour le combat de maître, mais aussi pour l'aventure légendaire, quand vous utilisez un duo pour un combat, vous ne pouvez pas l'utiliser pour un autre combat. Donc forcément, moins vous utilisez deux duos pour faire un maximum de victoires, et plus vous avez de duos restants pour continuer à faire un maximum de victoires. C'est mathématique. Ensuite, on va parler d'un autre mode de jeu qui n'est pas disponible. On va parler des événements meilleur score, où en gros on a un événement où on doit utiliser des duos d'un certain type pour avoir des scores. Et en gros bah, on affronte des adversaires où on va augmenter leur force pour avoir un maximum de points. On va prendre en exemple ma dernière vidéo et en gros bah voilà, ça se présente comme cela. Vous devez faire un maximum de points sur chaque combat en utilisant les duos d'un certain type. Et certains combats ont aussi des spécificités. Et en gros vous devez faire au moins 200 000 points en cumulant tous les combats pour avoir le maximum de récompenses possible. Bon pareil, à chaque fois qu'il y a une édition d'un événement meilleur score, le prochain devrait arriver pour le mois de septembre. Dans tous les cas, on a le salon événement meilleur score sur le Discord avec en message épinglé les différents Google Docs, les différentes vidéos que je peux faire
pour les différentes éditions ainsi que différentes astuces. Voilà, si vous avez besoin d'aide sur ce mode de jeu, qui est quand même un mode de jeu endgame, hein. Quand vous commencez, vous n'avez pas forcément les ressources pour faire les points nécessaires. Donc voilà, on en parle rapidement. Mais si un jour il y a un événement meilleur score qui apparaît, bah, au moins je vous ai présenté l'événement. Et au pire, bah, sur le Discord, vous avez les ressources nécessaires pour réussir au mieux ce mode de jeu. Et enfin, on va parler d'un dernier mode de jeu endgame. On va aller dans Zone Annexe et nous avons les défis contre les plus grands, aussi appelés les combats ultimes. Alors en gros, ce sont des combats qui vont être très difficiles. Et pour certains combats, bah, si vous n'avez pas le duo qui peut rouler sur le combat, bah, parfois ça peut être compliqué. Alors ne vous en faites pas, ce sont certes des combats très compliqués, surtout quand on n'a pas les duos qu'il faut, mais ce sont des combats qui sont permanents. Et au pire, si vous ne réussissez pas un combat, eh bien ça ne rapporte que 300 diamants, ce n'est qu'une single sur un portail. Donc en soi, même si vous n'y arrivez pas et que bah voilà, il y a un combat où vous n'y arrivez pas même pendant 5-6 mois, bah au pire c'est pas grave, un jour peut-être vous dropperez un duo qui est vraiment super puissant et qui va vous aider à passer ces différents combats. Alors concernant les combats ultimes, sur les Discord vous avez aussi un salon qui va vous aider si vous avez des difficultés. Et sur ma chaîne, j'ai aussi une playlist qui répertorie mes différentes vidéos, guides et astuces sur les combats ultimes. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire au niveau des ressources. Et pareil, il y a des Google Docs qui répertorient toutes les informations à savoir sur ces combats ultimes. C'est de l'anglais, mais encore une fois, tout est épinglé dans le salon dédié du Discord. Et puis sinon, maintenant qu'on a à peu près vu tous les modes de jeu endgame, on va parler un petit peu de des petits événements annexes. Voilà, on va aller rapidement dans événements pour ce qui est disponible. Alors on a les événements œufs qui vous permettent d'avoir des duos œufs qui sont parfois disponibles dans certains événements. Ils sont pas disponibles tout le temps. Là par exemple on a la famille de Rhinocorn qui ne sera disponible que dans cet événement. Alors parfois il y a des duos œufs d'événements qui seront disponibles plus tard dans le pool global, mais il y a des duos œufs qui par exemple ne sont pas revenus depuis énormément de temps. Par exemple les œufs de la famille de Crustabri qui sont apparus en février 2022 et qui, bah, de mémoire, on les a pas revus sur le jeu. Mais bon, si de base, jouer des œufs, ça ne vous intéresse pas, quand bien même il y a des duos très 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 intéressants, bah, que vous ratiez un événement ou non, je pense pas que ça va vous gêner. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a les événements œufs qui peuvent arriver de temps en temps, avec certains qui peuvent atterrir dans le pool global des œufs. Et puis aussi, bon, on a le combat féroce dont je vous ai parlé pour le défi des gars. Mais voilà, là, l'événement est terminé, ça sert pas à grand chose que je vous en parle. Et puis sinon, bah, à part des événements secondaires, tout ça, au niveau du contenu, il n'y a pas grand chose. On a encore les trucs coop de temps en temps, mais bon, la coop c'est assez mort, sauf pour les journées Pokémon Masters. Et puis sinon, je pense que j'ai tout vu pour cette vidéo. Voilà, j'ai vu tous les modes de jeu, j'ai essayé de tout vous expliquer. Dans tous les cas, même si pour certains modes de jeu j'ai un petit peu effleuré la surface, toutes les ressources importantes sont disponibles dans mon Discord sur les différents salons. Sur la chaîne YouTube, j'ai différentes playlists sur les différents modes de jeu si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'aide. Dans tous les cas, si vous avez des questions, eh bien il y a les commentaires de cette vidéo, ou au pire il y a le Discord de la chaîne, il y aura des gens qui pourront vous répondre dans tous les cas. Donc si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description de chacune des vidéos de la chaîne. Et puis c'est tout pour ce chapitre 7 du guide pour bien débuter sur Pokémon Masters. J'ai normalement tout vu. Alors il y a peut-être 2-3 petites choses assez minimes ou très niches que j'ai oublié de mentionner, mais au pire, alors, si vous avez des questions, les commentaires sont là, et aussi, je le répète, le Discord est là. C'est tout pour cet énorme guide pour bien débuter qui a duré quand même 7 vidéos, plus ou moins longues. C'est normal, il y a tellement de choses à expliquer. Je suis content que globalement ce guide vous ait plu, parce qu'il y a 2 ans j'avais sorti une grosse vidéo de 2 heures où j'expliquais un petit peu rapidement tout ça. Le truc c'est que bah, forcément en 2 ans le jeu a eu le temps d'évoluer, et forcément bah, j'ai voulu prendre plus mon temps pour détailler certains points. Mais au moins maintenant, si vous commencez le jeu, vous avez les 7 vidéos pour bien comprendre le jeu à ses débuts. Et pareil, si vous avez des questions, le Discord est là. Et si vous connaissez quelqu'un qui souhaite commencer le jeu, n'hésitez pas à lui envoyer les vidéos guide pour bien débuter. Il y a une playlist guide pour bien débuter 2024. Vous n'avez qu'à envoyer le lien de cette playlist et cette personne qui souhaite commencer aura 7 vidéos détaillées pour pouvoir bien commencer le jeu. C'est tout pour cette vidéo. J'espère globalement que le guide vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses, si ça vous a permis de mieux comprendre le jeu et de mieux l'apprécier. Tout le plaisir est pour moi. Je suis là surtout pour aider les gens à profiter du jeu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, encore une fois, le lien vers ma chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux dans la description de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !